Oui, Clément. Salut Rani, écoute, je t'appelle parce qu'il faut que tu fasses quelque chose avec Jérôme là, parce que ça peut plus durer. Oh, attends, attends. Calme-toi, Clément, qu'est-ce qui se passe? Bah, t'as pas lu mon mail? Non, j'étais sur autre chose. Je lui ai demandé 10 fois de m'envoyer ses chiffres pour l'étude, il a toujours rien fait. Il veut me planter? Je le sais, c'est Samira qui me l'a dit. C'est lui qui voulait piloter l'étude. Attends, attends, là, il y a beaucoup de choses. Jérôme ne t'a pas envoyé ses chiffres? Non, rien. Bon, je vais lui dire de le faire, c'est tout. Ouais, ben secoue-le un peu, parce que sinon c'est moi qui vais le faire et ça sera pas tendre. Oh, calme-toi un peu, Clément, il n'y a pas le feu au lac. Ouais, ben tu parles. Après, si je rends pas l'étude à temps, c'est toi qui me tombes dessus. Allez, c'est bon, je l'appelle. Oui, Jérôme. Salut Rani, comment ça va? Dis-moi, c'est quoi cette histoire que tu veux pas donner tes chiffres pour l'étude? Pardon? Bah oui, Clément les attend et il peut pas boucler sans tes chiffres. Et c'est toute mon étude qui est bloquée. C'est lui qui t'a dit ça? Peu importe, il manque tes chiffres, il manque tes chiffres. Pardon? Non, désolé, ça m'a échappé. Bon, alors les chiffres, il les a depuis 4 jours. La seule chose, c'est qu'il veut que je les mette dans son format débile. On s'était entendu à la dernière réunion mensuelle sur un format brut. J'ai donné le format brut. Et Clément a décidé, tout seul dans son coin, qu'il voulait qu'on fasse la mise en format à sa place parce qu'il ne s'est pas consolidé 2 tableurs Excel. Mais je suis désolé, je vais pas faire son boulot à sa place. Comment ça, il veut des mises en forme? Ah, mais t'es pas au courant. Et Clément, il sait pas comment relier 2 feuilles Excel. Alors, pour compiler les bases et extraire les données, je t'en parle pas. Du coup, il nous demande de faire les mises en format à sa place. Demande à Samira, il lui a fait le même coup. Attends, je comprends pas. On s'était bien entendu sur un format brut. Alors pourquoi il vous demande des mises en forme? Mais t'as qu'à lui demander. Bon, je le rappelle. Clément, je viens d'avoir Jérôme. Il me dit que tu lui demandes des mises en forme qui n'ont rien à voir avec ce qu'on avait dit en réunion mensuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Non mais ça va pas, il est mytho lui. J'ai jamais demandé ça, hein. On reste sur les données brutes, mais il les a même pas remplies, les données brutes. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse, moi, un tableur vide? T'es sûr que tu lui as pas demandé de faire des mises en forme? Non mais attends, qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Non mais peu importe. Si, si, c'est important. Il est là depuis 10 ans, il a 40 ans, il a toujours pas digéré que tu me donnes le pilotage de l'étude. Alors qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit que je savais pas lier les feuilles Excel, c'est ça? Non. Eh ben voilà, j'en étais sûr. Non mais il fait tout pour me planter et maintenant il va baver comme quoi je suis pas compétent. Bon, écoute, laisse tomber, je vais me débrouiller, je vais régler ça à ma manière.